mucho. Mira, nosotros queremos harta. Yo no me subo. Mira por lo que está llevando. Pero rápido, venga. Está bueno. Fully. On vient d'arriver dans la nouvelle ville parce qu'il y avait encore des gens qui avaient appelé la police. En fait, on joue vraiment au jeu du chat et la souris avec eux, quoi. En fait, tout le monde nous critique tout le temps toute la journée, mais on continue, c'est énorme. Courez, courez. Là, on est à Salobreña, donc c'est une petite ville côtière au bord de la plage. C'est super sympa. On s'est réveillé il y a pas longtemps et là, on va essayer d'aller trouver des petits spots pour faire du parcours. On sait pas du tout s'il y en a. Franchement, on est en Espagne et il y en a partout, donc ça devrait être cool. On vient de rentrer dans le village et on a déjà trouvé un petit spot. On s'est baladé quelques minutes et on a même trouvé des petits roof gaps là-bas. Du coup, ça va être trop cool. En plus, le paysage, il est magnifique. J'ai trouvé la première lane de la journée. Je vais descendre tout le spot. Je vais commencer par un petit side press. Je vais faire pump flip. Ensuite, je vais passer les barres, je vais faire side to side sur les marches et je vais essayer encore de descendre parce qu'en vrai, il y a plein de marches, du coup, c'est trop cool pour descendre. Le chien, à chaque fois que je fais un mouvement, il aboie. Ça me fait trop paniquer. Quand je vais faire ma line, il va me tuer. Oh, putain, la barrière de merde, là. Voilà. Attends. Si, Gracias. Muchas gracias. Gracias. Et toi, les marches, ça glisse trop. Ah, le parcours, c'est vraiment un boulot de ménage. Moi, je trouve que c'est beau, hein. C'est mieux, là. Ouais, bah, ça part en ligne. Muchas gracias. A ti, guapo. Yes. Ils sont trop gentils ici. Il y a la descente en fait, j'ai pas calculé ça. Non, on était dans la rue avec Flo et puis genre on a vu un mec sur une terrasse en train de manger ça. Et genre on lui a dit c'est quoi comme fruit parce qu'on en a déjà vu ici. Et il nous a dit c'est chili moño. Et après il nous a emmené dans son bar et il nous a dit tenez je vous les donne et tout, c'est pour vous, c'est cadeau. Ça a l'air si bon. Oh, ça a l'air fou. Mais en fait ça a l'air tendre et tout. What? Vous faites goûter les boys. Mec c'est tellement bon. C'est hyper liquide, genre ça fait, ça rafraîchit de ouf. Chili moño ça s'appelle. C'est pas mal, c'est vraiment bon. Bon là on a quitté le petit spot et on se balade dans les rues, on cherche des petits trucs à faire. Il y a des roofs qui ont l'air vraiment stylés, tous les murs sont blancs, tous les toits sont plats. Donc pour nous ça régale, ça crée plein de spots. Là on va rejoindre les gars, je crois qu'ils ont trouvé des petits spots sur les toits, ça va être stylé. Ouais, une meuf qui arrive. Ouais, une meuf qui arrive, nous engueule, on se barre. Elle est arrivée avec ses clés, j'ai vu. Elle voulait ouvrir. Il y a Léo et Félix qui sont partis tout à l'heure. Et là, on vient de les voir sur un roof assez haut. Du coup, on fait tout pour monter le plus haut possible dans la ville pour essayer de les rejoindre. Bon, en fait, on vient de trouver plein de spots sur les toits. Du coup, on se dit que ça peut peut-être partir en POV. Donc, on va essayer de trouver plein de runs et puis d'organiser tout ça. Et puis de faire une petite séquence bien montée avec la GoPro dans la bouche. Ça va glisser d'eau. Estamos haciendo saltos. Vete de ahí.
Ok, bam. Les gamos. Les gamos. Les gamos. Bon, allez, lui, il est vraiment très vénère. Du coup, on va y aller. J'essaie de lui parler, impossible. Impossible, il se vénère trop. Bon bah, là il est vraiment très énervé. Du coup, je pense qu'on va arrêter la mission, on va aller sur un autre toit. Là c'est incroyable. On est tout en haut en fait de la ville. On est sur les hauteurs, il y a la forteresse juste derrière. Et là on vient de trouver potentiellement un run. Il y a des petits murets. Normalement on risque pas de se faire virer parce qu'apparemment ça appartient à l'espace public. Et après on finirait sur les toits qu'on voit derrière. Donc là on est en train de chercher. Mais ouais, le projet c'est compliqué quoi. Depuis le début de l'après on essaie de chercher des lines et bah, c'est normal, les gens ils nous virent de leur toit et tout. Mais bon, on a vraiment envie de faire cette POV. On a trouvé la première line POV et c'est des drops de fou. Genre on peut pas aller voir en fait parce que si on va voir on va se faire niquer. En fait on va dropper là. En fait, on va tout descendre quoi. Et le truc c'est qu'on n'a pas trop payé. On sait pas si les hauteurs sont grandes ou pas. Mais bon, on va voir au film. Et puis let's go, ça va filmer un peu haut. Ça part. Allez. Allez. On continue de repérer des lines. Du coup là ça va être la deuxième line de la POV. On va descendre de ce bâtiment et on va faire une petite descente jusque là-bas, jusqu'au bar bleu. On essaye de voir un petit peu ce que ça donne la première partie pour voir si c'est bien fluide. Mais bon, à mon avis ça va être stylé. On commence à deux avec Félix là par exemple et quand on drop, moi je drop comme ça. Et genre là on devrait sortir à ce moment là. Mais de ouf. Viens voir, après hop, ça prend. Une fois que je te filme en train de sortir de la porte, tu me passes devant. Moi je suis tout derrière, comme ça Félix il est tout devant. Et nous comme ça bah, quand on est là, Félix il est déjà en train de se préparer pour descendre et... Ok, moi c'est... toi t'es dernier, ouais. Milieu et... Ouais. Nouvelle journée, donc là on s'entraîne un petit peu au sol avant d'aller sur les roofs parce que c'est important de s'échauffer sur des petits spots où il n'y a pas trop d'enjeux histoire d'avoir le droit à l'erreur et de pouvoir bien se réveiller. Et ensuite, une fois qu'on sera bien chaud, on va aller sur les roofs attaquer la POV. C'est parti. Tu vois, go. Go. C'est genre le perso de jeu vidéo. Je mets de l'eau comme ça, on enlève la poussière et ça va accrocher. Mais là dans sa bouche, c'est le meilleur récipient que les mains. Il est pas con, Florian. On va la mettre dans la bouche. Ah là là, là ça va être bien. Oh, je crois que ça va glisser là, les gars. Ça va finir par glisser, votre affaire. Mais ça va accrocher après. Bon, c'est tellement bas que t'es allé là-bas, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est chiant. Comment il marche ? Non, mais c'est chiant là. L'arnaque.
En vrai, on s'est bien échauffé. Là, ça va partir sur les roofs. On va reprendre la POV. C'est parti. On a repéré une petite descente. Donc là, on va essayer de la faire. Et puis ensuite, d'enchaîner sur une autre line qu'on a repérée hier. Le problème, c'est que sur cette line-là, il y a un mec qui gueulait de ouf hier. Et du coup, va falloir la faire en 2-2, quoi. Parce que t'es vraiment pas très content. Ça glisse de ouf ou pas? Le mur là? Ouais. Ouais, en vrai ça glisse pas mal, du coup il faut les sécher un petit peu, mais bon, il y a beaucoup de poussière. Mais normalement ça va faire. Ça tient zéro hein. Ici. Lui il va faire un chat-presse et Mehdi va passer à côté, je vais sauter au-dessus. Sauf qu'il y a une porte en bas qui est entre-ouverte. Et comme c'est chez quelqu'un, bah faut pas qu'on fasse de bruit, c'est chaud. Oh, ça glisse bien comme il faut. Hein. Bon bah on se fait déjà tège. Là on se fait virer du toit, c'est bon. C'est trop chiant. Il y a deux personnes qui nous ont repéré, c'est chaud. Hola, 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 hola. Disculpa, mais. Oui, in English? Non, espagnol. Saltar. Saltar. Parcours. Hacemos de parte. Vale, pero tenía que haber pedido permiso. No parece? Sí, no. ¿Eh? Sí, disculpa. ¿Eh? Es que la dueña, esa mujer, sí, tenía que haber pedido permiso. Mira, nosotros queremos saltar. Vale? Ah là là, on s'est viré à tous les toits, c'est terrible. Le projet il est compliqué. Les gars ils sont en train de se faire choper. Il y a que des vieux ici en fait. Du coup c'est pas mal parce qu'on les sème en 2 secondes, on a juste à se poser. Et par contre si on commence à discuter avec eux, c'est compliqué, ils comprennent rien du tout. Là ils sont en train de négocier. Putain. Ça part en couille là. En fait faut qu'on y voit une chatte, hein. Y'a pas de solution. En fait ce qui est compliqué c'est que comme il y a de la poussière partout, on est obligé de vérifier le départ et l'atterrissage. Le mec il vient de sortir un couteau, un gros couteau de cuisine. C'est un couteau mon pote, c'est un malade. Non mais Léo, mais t'es complètement. Ouais mais c'est chaud là, il a un cut. C'est vraiment chaud en vrai. J'ai cru il allait nous poignarder. On se casse vite là. Il a un cut, il a un cut, il a un couteau. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Le projet il est vraiment complexe là. Il est un couteau. Ouais, mais c'est un fou. J'ai vu dans son regard, il voulait tous me trancher. Je sais pas, cette nuit j'ai rêvé que lui se faisait tuer dans mon rêve. Et par quoi va devenir réalité. Déjà une POV ça me demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Parce que chaque line est chorégraphiée de A à Z. Alors si en plus on a même pas le temps de repérer les sauts et on se fait virer avec des couteaux. Là, le projet est vraiment, vraiment compliqué. Mais bon, là, on est parti repérer encore d'autres toits en espérant que ça se passe mieux. Il s'est mort, ça. A lui, me da igual. Je vais aller à la police. Non, non, problème, digamos. Ouais, on se barre parce que ça va. Ça va. Bon, avec les gars, on a dû diviser les équipes en deux parce qu'on s'est rendu compte que, genre, quand on arrivait sur des toits, bah, on faisait pas mal de bruit en parlant et on prenait grave plus de place, du coup, et on se faisait cramer grave rapidement. Donc on s'est dit qu'on allait se diviser en deux et puis comme ça pour le repérage c'est plus rapide. Il y a de la matière, il y a une line, c'est sûr. Je pense qu'on a trouvé un roof qui a l'air pas mal, genre. Des petites lines, il y a un détente là déjà. Genre en vrai il est quand même bien stylé, genre ce serait du mort là, juste un petit mort là. Le chat, c'est chaud. Ouais. Dans la line, on crache sur les murs pour enlever la poussière. C'est pas très propre mais au moins ça glisse pas. C'est que je vais devoir faire le double chat et je l'ai pas encore fait, il est un peu dégueulasse en plus, genre c'est un espèce d'angle et je sais pas trop comment je vais atterrir, ça va être du feeling mais bon vas-y, on n'a pas trop d'essais donc je vais le faire direct et ça va le faire. Ok, on est quoi là? Ok, 3, 2, 1. Allez. Vas-y. On se barre. Les gars, faut y aller vite, y'a quelqu'un sur son toit là-bas. Là. On se casse. Let's go, c'était bien. Yes. C'est que des toits avec des ardoises un peu là. Enfin des tuiles plutôt. Du coup là on a checké sur Maps, sur Google Maps, comment ils étaient les toits, parce qu'on commençait à aller dans des rues hyper écartées.
Et on a remarqué que plus on montait près du château, en haut de la colline, plus les rues elles étaient petites. Du coup, il va y avoir plus de roof gap et tout ça. Là, c'est plus resserré déjà. J'espère pas que c'est la police. Mais en tout cas, bah ça va, elle s'éloigne. Mais bon, ça c'est pour les gars. J'espère que c'est pas pour eux. On a repéré un petit roof. Let's go, on va voir. Ils sont en 4x4 dans les petites rues. Oui, mais on prend gauche-droite, au moins on est tranquille. Vas-y, on court plus. Hein. Putain, j'ai oublié, on a pris les salles de la porte. Ouais. Genre, je pensais pas qu'on allait faire ça. C'était trop stylé. En descendant avec l'arme, j'ai cru que j'allais me péter le bras. Et après, moi, je l'ai revu, il était comme ça, il s'était mis à pied et il cherchait son toit. Ok, on appelle les gars ou pas? Pour ça, moi, j'ai dit c'était vraiment chaud. On appelle les gars. Hein. Ouais. Oh, c'était trop stylé en vrai, petite escape avec la police. Les drops, franchement, les drops on les a pris, mais ça fait mal hein. On devait se dépêcher, on se dit. L'adrénaline, mais du coup ça m'a rien fait en vrai. Ouais, bah moi aussi ça allait. On est en train de temporiser dans la rue. Ouais, parce que genre il nous a repéré, il est tout en haut. Je pense qu'il est encore en train d'essayer de nous trouver. Mais bon, on s'est cassé avant. On essaye d'appeler les gars pour leur prévenir qu'il y a un mec en quad qui nous cherche partout. Parce qu'en fait, vu qu'on s'est splitté en deux teams, il peut très bien tomber sur l'autre team et croire que c'était nous. Ouais. Enfin, c'est compliqué, on a prévu de rester genre pas mal de jours dans cette ville. Si dès le deuxième jour on commençait à être bien connu des habitants et des flics, ça va être le chat et la souris un peu. Bon, du coup on a pris un peu d'hauteur sur le village, comme ça nous permet de voir un peu plus de roof. Et là on a trouvé un roof mais avec un accès vraiment difficile. Au-dessus du gap, le truc c'est qu'il n'y a pas énormément d'élan et ça glisse un peu, du coup bah là on est en train de sécher bien le sol, enfin d'enlever la poussière pour que ça accroche. Allez, go go go. Là on s'est encore viré mais c'est à la fin de la line, du coup c'est bon. On pourrait partir de là, monter, ouais. Faire boum, ouais. Et après terminer genre là. Bon, en fait à chaque fois que les gens ils nous regardent regarder les roofs et tout, ils pensent qu'on est des cambrioleurs, donc on n'a pas beaucoup de temps pour repérer un petit peu les escalades. Donc là je pense que dès qu'on va arriver devant la maison qu'on a repérée, bah ça va partir direct. Vas-y.
Hola. Hola. Hacemos deporte. Deporte. Que se llama parkour. Podemos solamente ver el salto. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Estamos franceses. Tratamos de hacer deporte aquí. Sí. Por ahí. Sí. Mec, c'est trop stylé. Sí. Wow. Oh. Gracias. Ah, c'est génial. Gracias. ¿Cómo te llamas? Manuel. Me llamo Valentín. Estamos de Francia. Mathieu, Louis y Jeremy. On va voir? Ouais. Podemos ver. Gracias. Oh là, c'est incroyable ce métier. Viens ici pour faire un salto. Il dit. On peut faire un salto de la frontière. Dit que c'est possible. On est en train de dire que Manuel nous a donné l'autorisation, mais elle dit que il n'a pas le droit, etc., et qu'il n'habite pas ici. Du coup, le souci c'est qu'on va devoir le taper en vitesse. Bon là, c'est même plus de la poussière, c'est de la mousse. Du coup, on doit tout enlever pour pouvoir sauter. Ouais, mais là ça va. C'est bon? Ouais. Vous avez tout enlevé? Ouais. Il est énorme. Il y a la dame juste derrière moi qu'on voit sur son balcon. Elle est vraiment pas sereine, elle ferme les yeux carrément. Même si on a l'autorisation de Manuel, on va devoir le faire rapidement pour éviter de déranger. 3, 2, 1, go. Allez, cœur là. Arrive. Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est shotgun, ça fait plaisir. La dame elle pète un câble. Es deporte. Es deporte. Solo deporte. Deporte falta y por la capa. Sí, hicimos videos. Me cago en la puta que vaya de mon. Mira por lo que estás probando hoy. Guau, c'est chaud. C'est chaud. En fait, tout le monde nous critique tout le temps, toute la journée. Le projet il se résume à se faire engueuler, mais on continue, c'est énorme. On est allé dans un autre village parce que dans le village d'avant, en fait, on a fait que de se faire repérer partout. Et il y a même les flics qui sont venus au bout d'un moment, donc on s'est dit, on va un peu se faire discret, on va aller un peu plus loin. Le petit village dans lequel on est, il est à quelques kilomètres seulement de l'autre village. Du coup, c'est un peu la même architecture, c'est les mêmes structures. Et bah en vrai, celui-là, il a l'air plutôt inspirant. Du coup, on a trouvé un petit roof qui a l'air pas mal déjà là pour commencer. Il y a un saut de toit là-bas qu'on pourrait faire en front, donc on va essayer d'aller le faire. Mais là, on se cache un petit peu parce qu'il y a des gens partout dans les rues. Là, on a repéré un rogue up avec Léo. J'espère qu'on va pas se faire repérer. J'arrive de l'autre côté, je me retourne, il y a Louis qui arrive en chaprice. Pour l'instant, Mehdi il attend un peu de circuler, je me retourne, je trace avec Mehdi, je me suis dans son front, j'arrive en bas, je me retourne, Louis il fait son front et après je me barre. Ok, okay. Bah, si vous êtes ok, ça part. Putain, j'ai l'impression que c'est un jeu vidéo, je sais pas, on doit se cacher, c'est incroyable. C'est vraiment énorme. Genre là, on est encore caché parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue. En fait, ce qui est chaud, c'est que les lines, faut pratiquement les faire en one shot parce que enfin, dès qu'on fait la line, les gens vont nous voir. On n'a pas vraiment d'autre essai, donc on doit se grouiller. Du coup là, on s'est calibré, on a fait comme on a pu et let's go, ça va partir, hein. On va bien voir. 3, 2, 1... C'est ouf, on vient de shotgun la line en un try. Ah ouais, c'est trop bien en vrai, genre y a pas besoin de la refaire, c'était tout parfait, ça fait trop plaisir. Et du coup quand les gens ils sortent, on a déjà fini la line, on a juste à dire vas-y on part. On a pas besoin de recontinuer à faire des lines sur le toit pendant qu'ils sont en train d'être vénères. Donc ça c'est vraiment trop bien, en plus le mec il est sorti une fois qu'on avait terminé parce qu'on a sauté sur son toit. Mais on a câliné son chat et tout et du coup il s'est pas posé de questions et voilà. Merde. 3, 2, 1, go.
faut que tu... En fait, ce qui est compliqué, c'est que tous les toits, ils glissent de ouf. Il y a une espèce de poussière qui s'est déposée. Et du coup, là, ça fait 4 fois qu'on refait la line. Parce qu'on glisse tous, quoi. Ah, c'est tout blanc. Mais bon, les spots, ils sont incroyables. Genre, vraiment, ça fait trop du bien de partir de Rennes et de trouver des spots incroyables comme ça. On se croirait en Grèce, alors qu'on est en Espagne. Ça fait bien kiffer. Bon là, cinquième essai, on va essayer de l'avoir. C'est parti. Il y a une grand-mère, du coup, ils vont se tracer pour faire la line. 3, 2, 1. Allez. Yes. Yes. Bon, apparemment, il y a des riverains qui ont appelé la Guardia. Donc là, on file, on switch encore de village pour temporiser. En fait, on joue vraiment au jeu du chat et la souris avec eux, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Sinon, on peut pas faire de parcours, quoi. Allez, on enchaîne. Là, on vient d'arriver dans la nouvelle ville parce qu'il y avait encore des gens qui avaient appelé la police. Donc à chaque fois, faut qu'on change de ville. On a pris un peu de hauteur dans la ville et on a peut-être trouvé un petit truc. Donc on va aller voir là, c'est parti. Ah oui, ok. On est sur une terrasse. Ouah, c'est parfait. Genre Mathieu, tu commences, tu fais une détente, t'arrives là, ici. Après tu me vois, je pop là. Comme ça, moi j'ai le temps d'un peu descendre. Ensuite, tu slides, tu filmes Louis qui arrive en slide. Moi j'ai le temps de me prep. Tu te retournes, on me voit faire 3-6. Ok. Pendant ce temps, Louis, peut-être il marche sur le mur, il ouais. Enchaîne le saut, après tu montes et... Ok, vas-y. Ouais, je suis chaud. Ce qui est un peu chaud pour les gars là, c'est que pour faire le détente ici, le seul moyen d'y aller, c'est en faisant le détente par-dessus la rue. Mais ils arrivent sur un mur assez fin avec des petites briques. Ça fait un peu peur parce qu'ici, franchement, les murs, ils ont pas l'air solides. Hein. Wow. C'est chaud, non? Faut pas que j'arrive dessus. Ça va? Ouais, c'est bon. Okay. Donc je fais la roulade, tu me passes devant. Ouais. Et go. Vas-y. 3, 2, 1, go! Allez! Go! Allez! Wouhou! Oh, yes. Oh, elle est incroyable! Elle est incroyable! Yes! Incroyable! Bon, ça y est, on a fait la petite line en 2-2 là. On s'est vraiment pressé. On a trouvé les trucs, ça s'enchaînait bien. Du coup, là, on enchaîne sur un autre spot. C'est parti. Là, on est en train de trouver encore une autre line. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, on enchaîne vraiment. Et du coup, bah, on monte sur un petit toit par une fenêtre et on va voir s'il y a des sauts. Donc, aujourd'hui, on a fait 9 lines. Ce serait la 10e de la journée. Donc, en vrai, ça ferait bien plaisir. Voilà, on a décidé de se rapprocher de la mer pour avoir une belle vue. Et on a repéré un bon petit roof. Il a l'air assez grand, du coup je pense qu'on va trouver une bonne petite line. Avec lui on a trouvé un press, peut-être en partant de là et en arrivant là. Du coup pour monter, bah on va passer par là-bas là. Il chope le mur hein. Du coup le press il est juste là. Ça fait de là à là. 3, 2, 1. Go! Go! Yes! Yes, parfait! Yes. Allez, yes. Allez, yes. Appuie au pied! Vers une line qu'on avait repérée hier, donc qui est assez étendue parce que il y a un mec qui nous avait engueulé vraiment très fort. On n'avait pas pu parler avec lui. Et puis il y a quelques accros qu'on voudrait faire, genre les gars ils veulent faire des sides et Léo il veut faire 5-4. Du coup ça va être un petit peu tendu, mais
j'espère que ça va le faire. Moi aussi, je pense. Je sais pas si je le fais pendant la POV ou si je le fais. Non, ça, ça fait. Vas-y, on saute et on va. Ouais, on saute, vas-y. Voilà. Désolé. Maman, ça y est, balle. Ouais, mais c'est chaud. Je pense qu'il faut qu'on shotgun la line parce que là, il y a des gens qui commencent à sortir. Ils disent ils vont appeler la police, du coup, faut qu'on se trace si on veut la faire. Bah là, du coup, faut qu'on la fasse direct parce que bah, le mec il va appeler la police de toute façon, donc on n'a pas beaucoup de temps. Allez, faites gaffe à vous. T'es prêt, yo? 3, 2, 1. Oh! Ouais. Ouais. Allez, go, 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 go. Courez, 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 courez. Yes, 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 yes. Wow, c'était fou. On vient de finir la line. Il y avait un mec qui était vraiment, vraiment pas content. Je pense que c'est une ville assez vieille. Du coup, ils sont pas forcément trop ouverts aux cultures parcours un peu urbaines comme ça. Mais bon. On a réussi à faire la line. Les gars, ils ont pop leur accro, genre vraiment sans trop de préparation. Genre moi je faisais 5-4 et lui side press. On était pas encore trop sûr, mais avec toute l'adrénaline et tout, le mec qui gueulait, le fait qu'on doive faire qu'une seule fois la line, genre c'est passé crème. Oh mec, je suis tellement content là. Ça s'est passé pile comme prévu. Alors que bah on avait vraiment tout contre nous. Ça fait vraiment plaisir. Un seul essai, on a réussi à l'avoir. Franchement, on peut pas être plus heureux là. On passe à la prochaine line. Encore une fois, on est en train de se faire ban du village ici. Du coup, bah, on part au village voisin pour continuer. Là, on allait partir pour une petite line et il y a une vieille dame qui est arrivée. Elle nous a dit qu'on pouvait, bah, comme d'hab, elle nous a dit qu'on pouvait pas trop sauter sur ses toits. Mais là, du coup, on est parti 5 minutes et on va essayer de shotgun ça. 3, 2, 1, go! On l'a enfin, parce qu'en fait on a dû la recommencer plusieurs fois. Genre le gainer il était compliqué à cadrer. Et puis il y avait la vieille dame qui sortait à chaque fois. Donc on devait partir, revenir. Mais là c'est bon, on l'a. On est de retour sur le spot de la première line. Et on a vu qu'il y avait un gars qui jouait de la guitare juste derrière là-bas. Et du coup on va essayer d'aller lui demander s'il est d'accord pour faire notre intro en fait. Parce qu'on a besoin d'un mec qui nous engueule au début de la vidéo. Et ça pourrait bien coller parce que bah, du coup il joue de la guitare. Et le début de la musique, c'est une petite guitare, donc ça peut être sympa. On va voir ce qu'il va dire. Voilà. Voilà. Okay. De venir ici. Si, si, le veo. Vous parlez français. Oh, pas mal. Necesitamos un actor. Yo soy actor, soy artista, soy cantante. Ah, perfecto, perfecto. Yo soy cantante. Mira, ayer mismo vi la película esa de los Yamakasi. Sí, ah, sí. Ayer la vi. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, está perfecto. Luego mira. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. Agarra de aquí, ¿no? Aquí no, largo que. Aquí no, largo que. Sí, sí. Pero.
Ok. C'est parfait. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Parfait. Gracias. Bon allez, c'est parti. Dernière line. Il y a Léo qui est prêt. Donc normalement, ça va partir bientôt. C'est assez mental parce que son gainer là, c'est chaud. Il y a du vent de ouf. Mais bon, je pense qu'il se sent prêt. Donc let's go. T'as dit quoi, Léo? Bah là, ça part en gainer, mais je pense que ça se voit. Il y a plein de vent. Du coup, bah ça déconcentre de ouf pour partir. T'as dit quoi, Léo? J'ai dit le vent, ça fait peur, mais bon, vu qu'il est dans ce sens-là, bah ça peut quand m'emmener plus loin. Là, ce qui est horrible, c'est que je peux pas attendre que le vent il se calme pour y aller, parce que les gars, ils y vont, et dans tous les cas, quand si jamais il y a du calme, et bah genre, c'est que genre 10 secondes après que je fais mon gainer, du coup, bah je suis obligé d'y aller quand il y a plein de vent. Bah, je suis prêt, hein? 2, 1, go! Go. Oui. Yes. 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 Juste avant de partir, vous étiez en train de perdre votre train et j'étais comme ça. Et en plus je crois en l'air mon t-shirt il faisait wouh. Moi ça y est, dernière line de parcours. Il reste plus qu'à faire le cliff. Et là bah on va attendre les belles lueurs et puis on va se rapprocher de la falaise qui est juste en bas du village. Putain c'est fou, il l'a lancé, c'était trop stylé. Wouah, énervé. On est en train de se préparer pour aller au cliff et là il y a des nuages qui arrivent. Donc on va vraiment vraiment se tracer là. Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de faux raccords au niveau météo. Bon on a recours à un truc un peu à l'arrache. On a foutu un flotteur parce qu'on n'a pas de flotteur pour GoPro et on veut faire le cliff à la GoPro 3.6 pour vraiment pas louper le mec qui fait l'action. Donc on s'est fait un setup un peu ridicule. Mais normalement ça devrait marcher. Attention t'as vu. Bon ça part, let's go. Mec ça va être de la violence, ça va être une singerie. Hein. Mec ça va être fou. J'ai tellement hâte de m'envoyer en l'air avec vous. Mec, tu fais la roulade. On saute là, on va arriver là. Très bien. Vous gopez devant moi. On trace. Moi je suis d'arrivée loin du coup. Dernier plan de la vidéo. On veut finir sur un cliff. Du coup, faire une roulade ici. Moi je suivrai Léo. Et il va partir en gainer de cette falaise. Les gars ils sont en train de regarder le cliff là. Et ensuite moi je le suis derrière. On atterrit. On se relève. On regarde. Et il y a Louis et Jérém qui popent de tout là-haut. Et ensuite fin de la vidéo et normalement on aura fini ce projet. C'est un peu compliqué quand même parce qu'avec le vent qu'il y a, il y a pas mal de houle et ça peut peut-être nous dévier en l'air donc on est en train de regarder si c'est possible. 2, 1. Là on est en train de se préparer pour le cliff, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. En plus on va sauter en duo avec Jérém. Ils vont sauter en duo, Mathieu et Léo. Et ça va être incroyable, on va partager un putain de moment. Tu vas faire quoi comme saut? Tu vas faire un parachute? Ah moi je vais faire un saut droit, parachute, je me mets comme ça, je bouge plus, dernier moment, hop. C'est la meilleure sensation. Genre tu sens tout le airtime, c'est fou. Moi je cours moi. Je cours en l'air parce que j'ai envie de m'envoler. J'arrive toujours pas mais un jour je m'envolerai. On attend le soleil et dès qu'il pointe le bout de son nez ça part. Il fait pas chaud là. C'est incroyable, il a vraiment une sacrée dégaine mais on adore. C'est trop bien. Bah c'est notre tour hein. Parti. Les gars décalez-vous parce que là je suis sur vous hein. 3, 2, 1, go. Let's go. Ça va défoncer. Je pense que tu t'es fait piquer par ça. Je sais pas.
Mais en fait, quand je nageais, j'ai senti une espèce de grosse brûlure, une grosse... comme si on me prenait le bras et que je ressentais une décharge. Et du coup, je suis sorti et j'ai vu, genre, j'ai ça là, tout le bras. Ouais, tu vois? Mais non, mais c'est clairement des tentacules de calamar. Je sais pas si c'est ça ou une espèce de méduse, mais... Oh, j'avoue, mais ouais, on arrive. File-toi, stylé. Bon, bah, c'est une fin de tournage. Ça fait trop plaisir. Ça fait une semaine là presque qu'on est en train de tourner cette POV. On a enfin fini le tournage là avec le gros cliff. C'est vraiment fou que ça finisse sur un cliff quand même, cette POV. Là, on est en train de se réchauffer tranquillement. Moi, je me suis fait shotgun par une sale méduse. J'ai le bras qui a débourlé, j'ai un bras obèse, les gars. Mais bon, franchement, on se donne de ouf pour la vidéo, pour cette chaîne en général. On a tout lâché pour ça. Du coup, abonnez-vous, ça nous soutient de ouf. Sinon, on a un shop où on vend plein de vêtements. Vous pouvez faire un tour sur notre site, ça nous soutient de ouf. À dimanche prochain. Ciao !